première fois, honneur au département des colons. Le seigneur déplace son serviteur pour une méga croisade de 2 jours de visitation surnaturelle exceptionnelle à Bandai. Bien-aimé, voilà. Dieu m'a envoyé ce soir à Bandai pour te parler d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et il m'a dit, l'homme là, qui s'appelle Jésus de Nazareth, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a envoyé sur la terre, et c'est lui qui veut changer ton identité ce soir. Plusieurs personnes sont dans les maladies, plusieurs personnes sont dans la stérilité, plusieurs personnes sont dans la pauvreté. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Ce soir, quand tu vas rencontrer mon Jésus, ta vie va changer pour toujours. Ça brûle, 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 ça brûle. Les esprits de mort, je vous appelle. Les esprits de mort, je vous appelle. Lève le dedans, lève le dedans, lève le dedans. Toute personne qui est venue ici avec les béquilles, lève tes béquilles. Si tu es venu ici avec les bâtons, avec les béquilles, lève les béquilles. Venez ici, tous ceux qui ont les béquilles, venez marcher. Oui, ça a commencé. Là-bas derrière aussi, ça continue. Maman cours, maman cours. Avec ces béquilles dans mes mains, vous n'allez plus jamais marcher avec les béquilles. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Depuis 24 ans, le papa-ci ne peut pas soulever son bras. Mais aujourd'hui, après le relâchement de l'onction, papa peut soulever le bras. Papa, il peut faire le mouvement. Il peut faire le mouvement. Depuis que... Amen. Depuis 24 ans. Depuis 24 ans, maman, il continue. Depuis 24 ans, tu ne peux pas soulever le bras. Quand on priait maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu boum. Tu as entendu boum? Oui, dans mon articulation ici. Uh-huh. Et c'était un chef qui m'avait fait ça. On était en formation à la gendarmerie nationale à Porte-Novo. Oui. Le chef a dit, on casse les durs, on redresse les faibles. Si vous avez des bras qui sont cassés ou des pieds, il y en a au magasin, on va vous les remplacer. Et quand il a tourné le bras comme ça, j'ai entendu bras. Depuis ce temps, 98 chefs avaient les durs. Attends, tu as laissé l'armée pour rentrer dans l'enseignement parce que le bras s'est cassé depuis 98. Oui. Mais ce soir, pendant qu'on priait, le bras s'est débloqué. Yes! Depuis 14 ans, elle est allée à
l'hôpital, il n'y a pas de solution. Tout à l'heure, après la prière, elle a senti que la boule a disparu. Il n'y a plus la boule dans son ventre. Elle pleure, regardez-la pleurer. Depuis 14 ans, elle est dépassée. Depuis 14 ans, le fibrome vient de disparaître. Est-ce que tu ne peux pas acclamer Jésus de Nazareth? Attendez, papa. Oui. Notre grand-père ici, il dit que ça fait 2 ans. Il avait les maux de rein et il ne voyait pas bien. Papa, si vous regardez ses yeux, vous allez voir que c'est un peu flou. Mais il dit tout à l'heure, lorsque vous avez dit qu'il y a une personne ici qui ne voit pas bien, mais qu'après la prière, ses yeux vont s'ouvrir. Il dit à sa grande surprise, ses yeux se sont ouverts et maintenant il peut voir, papa. Papa, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas voir? Je ne voyais pas. Bien. Tu ne voyais pas. Oui. Quand j'ai prié maintenant, tu me vois? Regarde ici. Regarde ici, tu me vois? Tu me vois bien? Bien. Ma chemise a quelle couleur? C'est blanc. Dieu dangereux, un Dieu qui opère dans une dimension extraordinaire. Papa, ce soir, cette dame voisine, elle est arrivée ici avec le bébé mort dans son ventre depuis 3 semaines. Le mardi passé, elle était à l'hôpital, elle a fait l'échographie. L'échographie révèle que le bébé est déjà mort. Tout à l'heure, après la prière, le bébé commence à bouger. Quelqu'un dit opération sans l'absence ciseaux.